Bonjour à tous mes amis, c'est AirWestWar. On est aujourd'hui là dans ce jeu qui a, bon, on va pas dire des graphismes non plus merveilleux, mais un bon graphisme quand même. Et on est là aujourd'hui donc pour un LOLs en fait. J'ai juste envie de m'amuser avec vous en vous montrant à quel point je suis merdique à piloter des bagnoles. Donc aujourd'hui on va faire des takedowns. Et qu'est-ce que c'est qu'un takedown? C'est l'action d'envoyer ses adversaires dans les murs. Voilà, donc ses adversaires qui sont des voitures. Donc j'ai pris là une voiture de type agression qui est vraiment bien pour ce genre de choses. C'est des veaux, d'accord, en vitesse. Enfin même que malgré que celui-là aille quand même assez vite. Donc on a des garages, voilà. Après il y a plusieurs. Donc, les tech zones, ça va être les petits points rouges qui s'affichent sur la carte en bas à droite. Voilà, donc en fait c'est la discipline où je suis le plus fort dans ce jeu. Envoyer les autres dans les murs. Voilà, donc ça, on va s'amuser un peu. Et on va pas faire les sérieux comme dans les jeux comme Fable 3 ou Terraria. Bien que dans Terraria, dans Schizophrenia, je ne sois pas vraiment très sérieux avec mes amis Tainalo et Pierce. Donc, on va regarder où est-ce qu'il y a ça. Là, ici. Ok, demi-tour. Alors, allons-y. Donc, il y a plusieurs types de takedown. Il y a le takedown... voiture. Donc j'entends par là le takedown où on va envoyer son adversaire dans une voiture PNJ. Donc player non joueur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que je doute qu'il y en ait qui ne connaissent pas. Après on a les takedown camionnettes, donc c'est la même chose mais on va l'envoyer dans une camionnette. Et il y a les takedown bus, donc là je viens de me prendre une bagnole. Et on a les takedown bus, c'est la même chose mais dans un bus, voilà, c'est tout simple. Donc il n'y en a toujours pas de takedown de road rage, comme ils appellent ça. Oui, je me prends souvent les murs, vous allez dire que je suis une merde. Ah si, il était là-haut le road rage, on y retourne. Donc voilà, donc ça prend, on va s'amuser. Peut-être que je jouerai en ligne avec Tainalo 2 là-dessus. Ah putain. Voilà, encore cassé. Tout cassé la bagnole. Voilà. Vas-y abrège, allez. Même pas, c'est reparti. On va essayer de se crasher alors. Hein. Parce que partir avec une bagnole dans cet état-là, c'est pas conseillé. Donc en fait, quand on se crache, c'est comme si on passait au garage. Bien que le garage soit bien plus efficace. Voilà. Comment démolir sa voiture? Demandez à tonton à Ouest. Ah putain. Ça s'appelle un showtime. Je me suis trompé de touche. Donc on doit défoncer les autres voitures. Ah, un bus, hop. C'est un peu comme le road rage, sauf que voilà, ils essayent pas de vous dégommer eux. Et en fait ça nous fait gagner du fric, mais on peut rien acheter avec ça. C'est merde. Fais un road ride, putain. Hop, camionnette. Oh, la limousine. Ah bah y'a plus la limousine. Donc pour ceux qui regardent et qui auraient des tendances un petit peu meurtrières, ne faites pas ce que je vais faire dans la vraie vie avec votre voiture. Parce que non seulement vous ferez du mal à des gens, mais en plus votre porte-monnaie aurait très mal. Et puis vous irez en plus.
C'est pas conseillé non plus. Bon bah celle-là m'est arrivée en plein. Oh, c'est une crêpe. Bon allez hop, on abrège. Voilà, c'est fini. Alors, combien j'ai gagné pour ça? 3 ans de tôle. Oh, même plus, perpétuité, non? Même pas? Eh ben. Alors, c'est bon, je vais pouvoir me le faire, mon... Alors, vous êtes prêts? Enfin, prêt ou pas prêt? Je n'ai pas votre réponse. C'est parti. Alors. Prêt pour la bataille? Voilà. Donc la nana qui cause, là, c'est DJ Diabolia. Pas pourquoi, elle fait partie de la radio Crash FM et elle vous conseille sur ce que vous devez faire. Alors, c'est parti. Et ça rame des ténèbres encore. Allez, on y va. Toi, t'es à moi. Et deux, un. Allez. On va retarder la peinture. Pour ceux qui seraient amoureux des voitures, je conseille pas de regarder, ça va être moche. Ça va être un carnage. Hop, le joli 4x4. Au suivant. Donc il faut que j'en fasse... Ok, d'accord. Donc peu importe où vous allez, elle vous suit. Donc en fait, c'est vous qui menez la danse. C'est pas... Il n'y a pas d'endroit où vous pouvez aller spécifiquement sans vous faire brûler ou écrabouiller. Ça, il y a un truc qui s'appelle s'appelle la track. En fait, vous avez deux voitures qui vous poursuivent. Qui vous poursuivent et qui vont essayer de vous cracher la gueule contre les murs. Eh ben voilà, dans ta face en plus, c'est quelqu'un qui m'a fait un take-down. Donc comme c'est une voiture de type agression qui est faite pour faire des take-downs, quand je me prends un take-down dans la gueule, eh ben je perds du boost. Et quand j'en donne, quand j'en fais, eh ben je gagne du boost. Putain! Tiens pas la route cette bagnole. Non, que ce soit moi. Hop, et il reste à ma hauteur en plus, ils sont suicidaires, voilà. Voilà, et donc vous voyez, je viens de faire un takedown et... Ah la vache! Je vais jamais y arriver. Alors là, j'ai dégâts critiques, va dans un garage. Donc ce que je dois faire, c'est aller dans un garage pour me réparer. Et c'est pour ça que je vais faire demi-tour et je vais mettre le boost pour essayer d'aller me soigner. Enfin, me soigner. Je sors, oui. Prendre une potion de soin. Et puis après, je pourrais retourner miner. C'est le mec qui se croit trop encore dans... Voilà, c'est bon, voilà comment perdre. Je vous avais dit que j'étais une bouse. Donc on va pas rester là-dessus, hein. On va essayer de faire une petit truc là-dessus aussi. On va essayer de refaire. Je rappelle qu'il y a dans la ville 120 épreuves prêtes à être tentées depuis 120 feux rouges. Oui, donc elle est chiante, hein, je vous confirme, à cause tout le temps. Qu'est-ce que tu attends? C'était DJ Diabolica sur Crash FM. Voilà. C'est reparti? Non, c'est reparti, allez. Soyez gentil avec moi. Soyez gentil. Soyez gentil, carrosse-toi. Voilà, c'est bien. Et la bagnole, elle a pas un seul dégât. Alors, il y a un garage. Oh là. Voilà, on va chez Auto Repair. Des profils plus américains. Alors, ensuite, on va essayer de retrouver ce qu'on est en train de faire. Ou à moins qu'on fasse une course et qu'on... Putain, ça m'énerve. Je vous reprends quand c'est fini. Voilà, c'est fini. On peut y aller. C'était pas très long, hein, j'ai pas traîné en longueur. Allons-y, allez. On va faire une course et on va aller leur défoncer la gueule. Bon, c'est pas non plus des voitures coupées, hein, ça va être... C'est les mêmes bagnoles que la mienne là que j'ai. Des tas de boules. Allez c'est parti. Par contre cette fois il y a un truc à rejoindre. Ah ça c'est de la ligne droite. Quelque sorte. C'est parti mon kiki. Donc elles sont peut-être un peu plus rapides. C'est peut-être des types vitesse. Mais moi j'ai un boost agression. Donc normalement ça devrait le faire. Allez, c'est parti, mon kiki, on y va.
on m'attraperait pas. Allez, on va leur mettre quelques kilomètres dans la vue. Voilà, ça nous fait du boost. Hop, on coupe le fromage. Et on commence sérieusement les affaires. Donc pour gagner du boost, soit vous envoyez quelqu'un dans le décor, donc pas les PNJ, parce qu'autrement, ça comptera comme une perte, en fait, comme si votre engin était ruiné. Donc plutôt comme... Donc ça c'est une station, ça peut gagner du boost, station essence, donc je l'ai pas vu à temps. Autrement vous faites des sauts comme ça, il y a des rampes un peu partout. Ou alors vous roulez et au fur et à mesure vous en aurez. Oui, qu'est-ce qui se passe? Merci. Voilà, autrement bah vous défoncez vos adversaires. Donc là on va gagner un petit peu de chemin comme ça. Voilà, donc là j'ai défoncé un panneau, donc j'ai du boost en plus. Cool. On peut continuer. En fait on débloque les raccourcis au fur et à mesure. Il s'affiche sur la carte normalement. Là donc là il y en a un ici. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non, il est au-dessus en fait. Il passe au-dessus. Je vais les prendre dans l'autre sens. On leur a mis quelques kilomètres dans la vue à l'autre blanc-bec là. Allez vas-y, accélère. Plus que 800 mètres. 700 mètres. Pour le prochain tournant, tournez à droite. Dans 200 km, dans 100 mètres, vous êtes arrivé à destination. Voilà, on est arrivé. Donc on a gagné première position, donc normalement je devrais gagner une voiture. Même pas. Ah les fumiers, ils sont radins en plus. Allez maintenant on va s'amuser, attention, on va faire des sauts. On va essayer d'aller le plus vite possible, le plus longtemps possible, en faisant le plus de dérapages possible. Voilà, là j'ai perdu. Bon, chers amis, en fait, on va pas faire ça du tout. Je vais m'arrêter. Ah bah non, c'est reparti. Bon, allez, on va rester ensemble. Bon, finalement, ouais, je vais vous laisser. Allez, je vous laisse. Salut !